le Seigneur, le roi des rois, le lion de la tribu de Juda. J'ai dit merci aussi, le Père, je l'ai croisé, bon, ça fait pas 6 mois, hein. Bon, spirituellement, je l'ai croisé, ça fait pas 6 mois, bon, je fais mes activités, pour moi, les cheveux hautes, au salon, bon, j'ai commencé depuis dans le mois de février, j'ai commencé à vendre, bon, ça donnait 2 ou 3 fois, bon, on fait pas comme ça, donc, le mois passé, je suis partie à Djamé pour aller faire des achats. Lorsque je venais, il y avait 3 500 sur moi. Et le père m'a envoyé de ça. Ah, ma fille, je suis un peu coincée quelque part là, fais mon transfert. Bon, il y avait 3 500. Donc, j'ai regardé, j'ai dit, bon, c'est pas grave. Comme c'est vrai, nom de Dieu, et je suis arrivée, il y avait 35 000 francs. Il me restait 2 500. Il fallait prendre gâteau, parce que moi je vends un peu de tout. Hein. Je vends gâteau, je vends tout. Donc je suis partie prendre gâteau, 1000 francs, donc il restait 1500. Donc je suis arrivée à la maison, je priais comme ça, je dis, hey, ça fait un beau bruit, bon, je vends, ça ne marche pas, ni rien. Donc je fais comme. Et puis il y a une voix qui me disait, va donner ça à mon serviteur, il va prier dessus. Bon, moi je suis quelqu'un, j'écoute beaucoup le Saint-Esprit. Dieu m'a fait la grâce, il me parle beaucoup en songe. Il m'a parlé plusieurs fois, il ne voulait pas lui dire bon. Il m'a parlé plusieurs fois de lui. Bon, il ne lui a pas dit, il est resté. Moi, je ne suis pas venue le laver. Il continue, il a dit, va donner la pommade à mon serviteur, il va prier. Donc, il me restait 1500. 1500 pour la semaine. Avec beaucoup de pommade là. 1500 pour donner le nom de Dieu. Bon, moi, ça, je trouve ça petit. Il dit, prends 1500 à une grande partie, il va les donner ça au secteur, il va prier dessus. Il y avait 3 billets de 500. J'ai regardé, il dit, il y avait l'argent de moment qui était dans ma main, quelque chose, il dit, faut mettre dessus. Donc, il dit, non, il ne faut pas mettre. Donc, il dit, il y a une fois, mon pour me donner 5000 francs pour donner à l'homme de Dieu. Il y a une fois, il dit, je dis de donner une grande partie de 1500 là à mon secteur, il va prier dessus. Donc, je n'ai rien dit, je suis venue, il dit, ah, le père, il envoyait des pommades là. Il faut prier dessus. Je suis rentrée dedans là-bas. Il y a 2 billets de 500. Il dit, oh, c'est ça là, c'est pas petit. Donc il a prié. Je suis venue, il dit, ah, le père, voilà mon offre. Le mois passé à 5 mois. Hein? Le 31 septembre, la nuit, il a prié dessus. Le 1er septembre, le 1er octobre. Je suis arrivée au salon, dès que je suis arrivée net, il y a une femme qui vient. Elle dit, bonjour ma fille, elle dit bonjour mon mari. Elle dit, on dirait que c'est l'Esprit de Dieu qui m'a envoyé. Hein. Ici, c'est le salon de Dieu. Donc, on a causé. Elle dit, ah, je veux faire mes cheveux, mais j'ai besoin d'une pommade pour faire pousser. Elle dit, ah, tu es arrivée, bon, j'ai pu proposer des choses. Donc, je vais vous dire, je vous assure, tout ce qu'elle a proposé, elle a pris plus de 14 000 francs sur place. Le 2, je suis arrivée, il y a une encore qui est arrivée. Elle dit, je vais pommade. Tu m'avais parlé de la pommade la dernière fois là. Donc j'ai réfléchi, il y a envoyé 6 000 francs pour prendre deux bouteilles. Il dit, ça commence. Donc, ça faisait 6 000 francs. Le 5, le 1er octobre, jusqu'au 5. Ils ont payé 25 000 francs. Je vous assure, 1, 2, 3, jusqu'à 25 000. Je suis venue dire, ce qu'il n'a jamais vendu de ce salon-là, pourquoi aujourd'hui? Ou bien, je suis là, il y a une fois qui me disait, il était dit d'aller donner 1 000 francs, ils vont payer dessus. Voilà le résultat qu'il y a. D'accord. Donc, j'ai fait comment? J'en ai combien? 25 000 francs là. C'est combien? 2 500. Il est resté. Maintenant, dimanche, je suis déjà levé, il dit, ah, Dieu, 2500 là, c'est petit. Avec tout ce qu'ils ont payé là, 2500 c'est petit. Il a envoyé encore 2 clientes pour venir acheter encore. Il dit là, je ne peux pas garder. Moi, je suis quelqu'un, je ne paye pas ma dîme partout. Hein. Je touche beaucoup l'Esprit de Dieu.
Et puis je te regarde bien, je prie. Est-ce que Dieu est vraiment dans toi? Il y a longtemps, il me parle de celui-là. Et je ne m'amuse pas. Je ne m'amuse pas. Il me parle de celui-là. Il dit, il est avec lui. C'est lui qui me guide partout. Amen. Donc il dit, ah, il fait comment? Donc j'ai prié une semaine, j'ai pris mon mois de jeûne. Il dit, ah, il fait comment? Et on appelle ça comment? M'a dit, moi, là. Et puis il m'a dit, de mon mari, de payer sa chute. Et puis mon salaire, m'a dit, des salaires, d'aller payer ça dans mon église. Et depuis qu'il n'y a pas de problème, donc je décide de payer ma dîme chez lui. Et depuis, il a commencé à payer la dîme de Boumad. Même tout à l'heure, quand je venais, ils ont payé aussi. Donc je vous encourage de prier. Lui qui est là, il est jeûné. L'esprit de Dieu qui est lui là, ce n'est pas esprit de jeûne. C'est esprit de guerrier, l'esprit de Saint-Esprit. Bon, il y a des étudiants parmi nous. Quand tu dois déposer des dossiers, il faut venir vers lui. Même s'il y a 5 fonds dans ta main, viens vers lui, tu le paies. J'ai appris qu'il y a travail quelque part là-bas, derrière l'université, là, il y a travail là. Donc je viens déposer mes dossiers là. Voilà 1000 francs, voilà 10 000, voilà 5 000. Il faut prier. Ils vont t'appeler, même si on dit qu'il n'y a pas de place. Mais toi seulement là, ils vont t'appeler pour venir travailler. Amen. Donc je vous exhorte de payer votre dîme. Quand il t'appelle, il dit, ma fille, fais-moi transfert là. Et puis en plus, il a oublié transfert là. Mais... Quand je lui ai fait transfert là, dans la semaine, là, l'argent que j'ai eu là, 1000 francs seulement, je lui ai fait transfert. 1000 francs seulement, il y a plus de 30 000 francs. L'argent venait un peu partout. Ah, tu m'as demandé l'argent pour payer des pommades, pour financer des pommades, pour aller prendre beaucoup. Donc il y a une main qui... J'ai prié comme ça. Et puis, matin, je suis partie me laver. À mon retour, elle est venue dire, ah, ma chérie, tu parlais de quelqu'un pour t'aider, payer beaucoup de pommades pour vendre. Donc voilà, 50 000 francs. Lui, mais je suis venu, moi, je suis quelqu'un, il y en a beaucoup. Même si c'est petit, il vient te rendre les moyens. Donc même si Dieu t'a béni, il t'a béni petit seulement, il t'a donné 10 000 de payer chaussures, là, viens rendre les moyens. Donc c'est mon témoignage, c'est là.